Hier, les habitants de Huascal étaient appelés aux urnes. Rappelons que les élections municipales de 2014 avaient été annulées suite à un vice de procédure. Et hier, c'est la maire actuelle, Stéphanie Ducret, maire UDI, qui est arrivée en tête. Elle obtient 700 voix d'avance sur le second candidat, Bernard Anicotte, l'ancien premier adjoint de l'ex-maire de Huascal, Gérard Vignoble. Le FN, la liste de gauche et Europe Écologie Les Verts n'ont pas atteint les 10% et ils sont par conséquent éliminés. Stéphanie Ducret part donc favorite pour le second tour de dimanche. Je propose d'écouter sa réaction recueillie par Xavier Silly. On a été surpris en bien, bien sûr, mais ça encourage le travail, le courage qu'on a mis en œuvre pour tout rétablir et l'honnêteté qui a été aussi notre force dans cette première partie de mandat. Qu'on a quasiment doublé notre score de 2014, ça veut dire que voilà, les électeurs reconnaissent le travail qui était nécessaire et qui était à faire pour cette ville. On va continuer le travail, on va continuer à écouter les Ouescaliens, on va écouter à les servir comme on le fait depuis mars 2014.